Horoscope Sagittaire du 25 octobre 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Le souplesse et l'indulgence ne sont pas vos qualités dominantes, et l'influence négative de Saturne ne fera qu'accentuer votre intransigeance. Pourtant, vous ne gagneriez rien à camper sur vos positions lors des discussions avec votre conjoint ou partenaire. Essayez, au contraire, de faire les premiers pas et n'hésitez pas à lui manifester clairement votre attachement. Célibataire, vous ne serez nullement pressé de vous fixer et quelques aventures excitantes donneront de l'intensité à votre vie amoureuse. Horoscope Argent. Vous ferez une dépense extravagante et puis, aussitôt après, vous vous mettrez à culpabiliser. Ne vous tourmentez pas trop, tant que vous restez dans des limites raisonnables, ce n'est pas catastrophique. Horoscope Santé. Avec Mars pour vous coacher, une chose est sûre, l'énergie ne vous fera pas défaut. Reste à savoir la canaliser, car cette planète a tendance à agir de manière impulsive. Pour ne pas gâcher ce capital, défoulez-vous dans une pratique sportive qui vous plaît. Horoscope Travail. Côté travail, vous figurez cette fois parmi les rares élus des astres, en ce sens que vous aurez une excellente chance de mener à bien vos diverses entreprises et d'en tirer de très grandes satisfactions d'ordre moral et matériel. Il vous est même conseillé de vous livrer à la spéculation, mais à condition de ne risquer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Horoscope Famille. Vous saurez faire preuve de plus de douceur envers vos enfants, vous rendant compte que c'est la meilleure façon de les ramener à la raison. Les gronder sans cesse ne ferait qu'encourager leur entêtement ou leur indifférence. La cithare est docile à de molles pressions, mais elle répond de façon discordante à qui l'interroge avec violence. Horoscope Vie sociale. Les influences lunaires harmoniques vous inciteront à faire preuve d'assez de diplomatie pour arranger à l'amiable un certain nombre de choses et préserver ainsi un climat de paix et de bonne entente. Mais en même temps, vous serez très sévère envers vous-même, capable de porter sur votre personne un jugement impartial et générateur de progrès.